C'est un travail de longue haleine. Il y a 613 000 accouchements par an et à travers toutes les régions du Maroc. C'est-à-dire que j'ai parlé de l'Houssima, mais n'oubliez pas la Youn ou la Dakhla. Donc vous voyez, ce qui veut dire qu'à travers le pays, il y a des zones très montagneuses, il y a des zones désertiques, il y a une densité humaine extrêmement éparpillée, enfin extrêmement faible dans certaines régions car la population est éparpillée. Donc il faut que, à travers vous, à travers les médias et grâce à vous, nous allons pouvoir sensibiliser toute la population pour que ces quatre chaînes soient respectées partout. Aujourd'hui, on assiste au lancement de la campagne de sensibilisation sur les quatre chaînes de vie qui permettent justement d'assurer la vie des nouveau-nés, mais également des mamans. Alors les quatre chaînes de vie qu'on peut simplifier, le premier c'est la respiration, le deuxième c'est la chaleur, le troisième c'est l'allaitement maternel et le quatrième c'est la sepsie ou la lutte contre l'infection. Ce sont des mesures qui ont été, qui sont bien sûr pilotées par l'association La Chaîne de la Vie et qui appuie le ministère de la Santé en fait à mettre en place et en œuvre son plan d'action.